ce nouveau vlog, je suis extrêmement en retard, je me dépêche. Nous sommes dans... Aujourd'hui, on est lundi et je vais direction Sartrouville. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité? Je vais donc direction Sartrouville pour aller rejoindre Jonéa pour qu'on se fasse une balade sur les bords de Seine, j'allais dire de la Marne, non, de la Seine. C'est elle qui m'a proposé cette petite balade que je ne connais absolument pas, que j'ai hâte de découvrir. Mais j'ai rendez-vous à 16h et là il est déjà 15h passé. T'es chez Zartar. J'adore. Jonéa qui tente une approche. Une plage. Et du coup genre j'y vais et je trouve. Mais ouais, les temps de Cora, en été, il y a des gens qui se baignent, il y a même des gens qui ramènent leur barbecue. Bon, bah écoutez, je suis rentrée à la maison, je suis éreintée. On a marché, oh là là, qu'est-ce qu'on a marché. C'était trop bien, genre vraiment la balade est très très belle, je vous la conseille. C'est très bien desservi en plus via le RER A, c'est hyper simple de s'y retrouver. On a vraiment longé tous les bords de Seine, de Sartrouville jusqu'à Le Pecq. Ça fait beaucoup quand même. On a marché à peu près 1h30, ce qui équivaut à peu près à 4 km, un truc comme ça. Donc je peux vous dire que les jambes, elles ont travaillé. Et là, j'avais envie de me faire un plat genre réconfortant. Parce que je sais pas vous, mais quand je marche beaucoup comme ça, enfin quand je fais une activité genre sportive et tout, surtout à cette période-là de l'année, quand je rentre chez moi, je veux que ça soit un repas réconfortant. Du coup, je me suis fait ce que ma mère appellerait un bulgi bulga, mais je suis très forte pour les plats bulgi bulga. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Moi je comprends, c'est principal. Je me suis fait un mélange un peu zarbi, mais je suis sûre que ça va être trop bon. En fait, les parents de mon mec, non, les grands-parents de mon copain, m'avaient donné, quand on était partis chez eux, un sachet de mélange de légumineuses. Il y a trop de trucs à l'intérieur, je saurais même pas vous dire. Bref, plein de trucs quand t'es végétarien, c'est trop bien. Ça traînait dans mon placard depuis je sais pas combien de temps. Du coup, je me suis dit que j'allais enfin les cuisiner. Et j'ai mis un fond de coquillettes, complètes dedans. Pareil, qui traînait. Et j'ai fait une sauce au curry avec donc de la crème de soja, du curry, du paprika fumé, de l'ail, du poivre et un peu de gingembre moulu. Et ça sent très très bon. J'aime trop. En fait, genre vraiment, je suis désolée, mais manger dans un bol comme ça avec une cuillère, bah franchement c'est hyper bon. Mmh. It asks how we can be better romantic and live within a man's world, rather than calling for what women actually need. Bonjour, je suis actuellement en route pour aller rejoindre Margot chez elle. On va aller taffer toutes les deux. On voulait se voir, mais en même temps on avait du travail à faire sur nos ordi. Du coup, elle m'a proposé de venir chez elle. La pauvre, elle est malade. Il est 15h30 à peu près. Du coup, je vous ai pris des petits pains au chocolat pour remonter le moral à cette demoiselle et pour le goûter, tout simplement, parce que le goûter est un repas très important. Et donc voilà, je vais faire du montage. J'ai des trucs à faire sur des castings et tout, bref. Mais ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc je suis très contente, j'ai trop hâte de la voir. Bon, Margot, est-ce qu'on n'annoncerait pas la nouvelle à mes abonnés, à nos abonnés, à tes abonnés? En même temps, je suis beaucoup, beaucoup sur ta chaîne. Non, c'est vrai, une vraie star. Je me suis refait une petite beauté, les copains. Attendez, je vous montre. J'ai changé d'identité.
Hihi. Après de bons et loyaux services que Sobutin m'a donné pendant 8 ans, parce que ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, c'est dingue. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Et du coup, j'ai décidé de changer de pseudo pour mettre mon vrai prénom. Parce que je m'appelle Salomé, certes, mais mon deuxième prénom, c'est Marine. Parce que je voulais pas mettre mon nom de famille. Bref, Margot était là pour me soutenir dans cette épreuve. C'était très difficile. Il y a eu des choix à faire. En fait, ce qui m'a surtout cassé les bonbons, c'est mon pseudo sur Insta. Parce que le pseudo Insta Salomé Marine, comme ça, il est déjà pris par un vieux compte où il y a genre zéro photo, zéro followers, zéro abonnement. Il est en privé. Dégage en fait, genre laisse-moi ton pseudo. Bref, du coup j'ai mis un deuxième E. Donc mon prénom, ça s'écrit bien avec un seul E, mais bon, bah il fallait trouver une solution. En tout cas, je te remercie Margot de m'avoir soutenue dans cette aventure. Voilà, je suis très contente parce que genre ça me ressemble plus et genre c'est moi. Alors que Sobutin, c'était un pseudo que j'avais pris quand j'étais ado, genre voilà. Et je raisonnais plus trop avec cette identité. Et tu fais quoi? Tu fais une souris? Oui, donc je raisonnais plus trop avec cette identité-là parce que bon, ça voulait plus rien dire à mes yeux et que j'aime beaucoup mon prénom. Et voilà, je trouve ça plus joli. Genre vraiment, je regarde, j'ai changé ma manière, j'ai tout changé, c'est trop drôle. J'ai changé ma manière, ma photo de profil et mon pseudo. Et genre, j'ai vraiment l'impression que ça me ressemble plus, quoi. Donc voilà, je suis très contente. Maintenant, faut changer le pseudo sur tous les réseaux sociaux. J'espère que vous serez de l'aventure encore jusque très longtemps. J'espère aussi faire partie de l'aventure de cette chaîne YouTube aussi. Mais oui, oula. J'espère. Encore de belles années devant nous. Depuis les vacances d'été finalement, et je suis en nage, j'ai rarement autant transpiré de ma vie en danse, genre carrément je me suis essuyée plein de fois avec ma serviette, je fais hyper rarement ça, mais je suis très contente. J'ai moins l'impression d'être larguée que l'année dernière quand j'avais commencé, du coup c'est trop bien parce que genre j'ai déjà tous les mouvements en tête et du coup je fais les choses beaucoup plus rapidement, donc je suis grave contente. À un moment on a fait un adage au milieu et j'ai grave kiffé ce que j'ai fait. Genre c'était joli, genre mes ports de bras ils étaient bien pour une fois. Et genre je sens que je me suis grave renforcée au niveau des pieds, enfin au niveau des pieds, de la cheville et tout. Genre je tiens beaucoup mieux en équilibre. Et je suis trop contente. Donc voilà, c'est trop bien. Aujourd'hui, on est jeudi,
Ce matin, j'ai eu envie de me faire un porridge, mais genre un vrai porridge à la casserole et tout, avec des flocons d'avoine, de la banane écrasée, du lait d'avoine et de la cannelle. Et du coup, ça sentait la cannelle partout chez moi, c'était incroyable. Je suis insupportable pendant l'automne, ok? J'ai qu'une seule hâte, d'aller prendre un pumpkin spice latte chez Starbucks. Je suis ce genre de personne et j'en ai rien à foutre. Donc cet après-midi, je vais faire un tournage avec les étudiants de la Fémis, mais il faut que je vous raconte comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que c'est assez drôle comme histoire. Donc mardi, très précisément, mardi soir, je reçois un mail sur ma boîte mail pro, genre vraiment ma boîte mail de YouTube. Et c'est une jeune fille qui se nomme Olympe, qui est étudiante à la Fémis en première année et qui a pensé à moi pour que je sois actrice dans son court-métrage qu'elle doit faire pour les cours. Et du coup, j'ai fait pas grave, let's go. Enfin, genre, c'est trop marrant. Enfin, généralement, c'est toi qui vas la pêche au rôle et là, on te les donne, c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment pour un petit projet de cours, hein, ce genre de choses-là, j'en ai déjà fait plein. Mais j'ai jamais travaillé avec les gens de la Fémis, donc je suis très curieuse de savoir comment ça se passe. Puis je suis jamais allée sur le campus. Du coup, le tournage se passe directement sur le campus de la Fémis. Donc, trop bien. Je savais pas du tout où était la Fémis. Genre, je me suis jamais posé la question de où se trouvait le campus. Et en fait, c'est à côté du Sacré-Cœur. Et du coup, il y a moyen que je me promène là-bas après. Avec plaisir, je ferai ça. Mais j'ai oublié de préciser qu'en fait, cette jeune fille, parce qu'en fait, j'ai un peu écourté l'histoire, mais en fait, elle me disait dans son mail que c'est une abonnée. Donc c'est trop marrant, genre elle me suit depuis un an sur YouTube. Et quand elle avait ce projet de court-métrage à faire pour son école, elle a direct pensé à moi, genre. C'est trop mignon. Enfin, c'est incroyable, genre. J'aurais jamais cru que vraiment mes vidéos pourraient... être une plateforme pour que je devienne une grande actrice. MDR. Bref.